Bonsoir à tous, ici Willow TNT, on se retrouve aujourd'hui pour du Velocity 2X, et yeah. Hop là, excusez-moi, ça je fais un petit réglage voix. Voilà, il me semblait que c'était un peu trop fort dans le test son, voilà. Donc on en a été, voilà, j'ai bien fait toute l'émission cette fois-ci, voilà. Donc, 15. Motivation, j'espère que vous êtes motivés. Voilà, alors, c'est reparti, moi il y a eu une petite semaine qui s'est passée. Ralan, vous voyez, est-ce que c'est un fusil? Absolument pas, c'est utilisé pour miner. Utiliser cet outil destructeur contre un être sensible aurait des conséquences abjectes. Je n'ai retenu que destructeur. Ah, c'est vrai que ça peut être sympa, un fusil comme ça là qui défonce tout là. Alors, test son, du moins pas test son. Qu'est-ce que je dis? Comment on joue, voilà. Ça s'est tiré, voilà, ça se tient. Voilà, ça s'est tiré sur le côté, ça s'est retiré, caresser et déporté. Voilà, hop là, on rentre là-dedans. Il est grand temps d'utiliser ce fusil. Appuyez sur rond pour tirer. Wow, lance patate. Hop, 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 hop. Allez, brebis galeuse. Un codec. Hop là. Oui, c'est là-haut qu'il faut passer, d'accord. Tout pété. Pardon. Hop. Voilà. Hop, hop. Hop là, plus de vie. Cool la vie. Ma vie, c'est là qu'il se demande. C'est la barre qui est... Du moins, c'est le petit vaisseau qui est en haut à gauche, en fait. Hop, ça reste comme ça. Wouah, ça tourne. Yeah. Oups. Voilà. Mais ce qui me semblait que ça s'est terminé. Un, deux. Putain, encore une porte. J'ai détruit tout moi. Voilà. Partie 4. Non, c'est pas le moment. Sachant que je vais éternuer, mais ça va venir. Deux mois d'avance, hein, si j'éternue. Terminé. Hop là, en tout cas ça fait un grand plaisir de vous revoir. Hein, de moins, de refaire des vidéos, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait plaisir. La ruée. Vers le recterrenum, je sais pas quoi. Ces installations devraient faire l'affaire. Avec les Udinda que vous avez sauvés, ce plan a peut-être une chance de marcher. Nous avons donc un plan. Vous pouvez m'en dire plus? Oui, mais il est assez complexe. Il faudra que vous m'accordez toute votre attention. Les Vogue drainent l'énergie d'étoiles lointaines grâce à des trous de verre. Vilio, une grosse étoile proche de chez nous. Et la dernière cible en date.
La station dont nous sommes échappés était le centre relais d'énergie d'Evok. Ça explique pourquoi Vilio a été pris dans un trou noir. Quand je suis allé pour la fermer avec le bouclier, Quarp, j'ai dû voyager jusqu'ici. Tout à fait. Oups. Ah merde, non, je me suis couru de voix. Oh, je me suis couru de voix. Excusez-moi. Tout à fait, le bouclier Quarp était un prototype. Il a parfaitement réussi à fermer Vilio, mais il n'a pas réussi à vous protéger. Nous pensons pouvoir l'améliorer. J'espère, je n'ai plus qu'une... Excusez-moi. J'espère, je n'ai plus que quelques parties de mon corps depuis la dernière fois que j'ai essayé. Quand vous l'aurez déconstruit, où vais-je le déployer? Parwaka. Parwaka, un énorme trou noir au centre de l'Empire Vok. Si vous y activez un nouveau bouclier corps, vous pourriez l'utiliser pour rentrer chez vous, tout en arrêtant la principale source d'énergie Vok. Qu'est-ce qu'il vous faut? Plus de Jundinda pour m'aider dans mes recherches et du Ricanium pour alimenter l'appareil. Traversez le niveau aussi vite que possible. Vous avez très peu de temps. Oh, c'est parti! Très bien, si je meurs, c'est normal. Oh merde. Excusez-moi. Voilà, faut bien que je reste appuyé sur le point. Ah, il marche. Là. Je crois pas que je vais passer. Non, je vais pas passer. Et merde. Et merde. Et remerde. Voilà. Je l'ai pas passé, tant pis. On va faire ça comme ça. Non. Tiens, tais-toi dans le bouclier. Voilà. Si, t'es détruit. Oh merde, je le savais pas. Ah, oh, c'est épuisant. J'ai verrouillé un nouveau cortex. Je crois que j'en ai bien. Ah bah oui, le 2. Ouais, donc c'est bien ce que j'ai dit, j'avais bien oublié. Ah bah bien. C'est bâtard ça, ils ont mis juste un petit truc rouge comme ça. Ouais, ils ont mis. Ah, c'est trace pour mourir. Oh d'accord, ça par contre c'est pute. Voilà, ça recouvre un peu les... Excusez-moi un peu pour les fails là. Hein. Par contre, j'ai perdu beaucoup de survivants. Ouais, voilà. Long from teleport. Chercher et sauver. Ouais. Les choses avancent bien. Chaque scientifique que vous avez téléporté ici est une aide supplémentaire, impatiente de se tenir au travail. Même une petite rébellion contre les Vok dépasse nos rêves les plus fous. Bien, mais nous avons peut-être un problème. Une sécurité de plus en plus complexe. Vous avez... Non. Une sécurité de plus en plus complexe. Vous avez réussi à faire fonctionner le Long From Teleport? Nous transférons les données vers le micro-usine de votre vaisseau. Le LFT devrait fonctionner sous peu. Données du FLT envoyées. La télémétrie me paraît bonne. Pistage, affectation, subduction, non, subduction, ouais, quantique, tout est bon. Beau travail à tous, le long form téléport est opérationnel. Et puis, ta-da-da, oh.
Hop là. Les trucs que franchement vous avez vu. Oh, d'accord. Vous arrivez à une intersection. C'est une bonne occasion de larguer un téléporteur. Touchez et triangle pour larguer un téléporteur. Wow. Et il faut retourner à l'intersection où, avec un peu de chance, vous l'avez largué un téléporteur. Ouvrez votre carte en appuyant sur L1, puis sélectionnez le téléporteur avec L. Yes. Wouah. Putain, ça c'est dire que tu peux trop tricher quoi. Si le temps utilise là. Encore une intersection, largue un téléporteur ici. Vous avez remarqué que l'écran clignote en bleu, cela se produit lorsque vous larguez un téléporteur. Lorsque vous devez larguer un téléporteur, excusez-moi. Pourquoi mon écran du PC est tout seul ? Excusez-moi. Voilà, voilà, voilà. N'oubliez pas de retourner à votre téléporteur. Ouvrez les cartes. Ouais, bref, je suis pas con. Merci. Quand l'écran clignote en bleu, c'est dire téléporteur. Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur triangle pour vous rendre au dernier téléporteur largué. Ça va rentrer dans le jeu. Hop là. Wouah, fou monnaie. Ouais, parce qu'on va dire en gros, les survivants c'est la monnaie, vous êtes bien d'accord. Hop là, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro en grattant, excusez-moi. Merci. Oh putain, ça commence à être chaud. Money, ouais, money. À la fin là, j'ai fait full money quoi. Il m'a manqué pratiquement 100. Bon, il m'a manqué 80 et quelques. Bim. Bon, ouais, je les ai pas tous ramassés non plus, mais j'en ai ramassé à peu près. Ouais, voilà, j'en ai ramassé. J'étais à 144, j'en ai ramassé jusqu'à 112. Bref, rassemblement. Lieutenant, le bouclier Coarp avance bien. Je suis de plus en plus impressionné par votre professeur Windwell. C'est un visionnaire. Je lui dirai quand je le verrai des compliments d'un scientifique extraterrestre, il en sera très heureux. Continuez à nous envoyer des chercheurs, notre travail ici nous ouvre de nouvelles possibilités. Bien reçu, Kai, terminé. Wouhou, c'est génial. Pourquoi l'appeler Kai? Ah, Kai terminé. J'ai rien dit. Wouah, toute la tête. Hop là. Oh. Quel con. Juste vite fait si j'ai pas oublié quelque chose. Non, ça va. C'est bon. Full monnaie. Ouais, c'est bon, c'est bon.
plus ma manette fait des bruits à chaque fois. Ouch. Ah, je l'avais pas vu la petite bouboule la dernière là, qui était par là, là. Par contre, c'est bien, c'est que ça a un retour en arrière, quoi. C'est du style... Oh merde, j'ai oublié ça là. Je pose un téléporteur. Je sais que tu vas devoir te TP par ici. Ça c'est cool. Monnaie, monnaie. Oh, arrête ton char, t'as rien du tout. Putain, une one shot. Je l'avais pas bien pété, excusez-moi. Waouh, monnaie. Alors là, si j'ai pas eu la monnaie, quoi. À la fin, là, c'était pognon, quoi. En mouvement. C'est génial. Kai. Après avoir écouté les canons militaires d'Evoque, j'ai peur qu'ils ne soient au courant de notre présence. Soyez prudents! Vous aussi? C'est gentil, c'est un gentil alien qui vient nous aider. C'est très gentil, ça. Hop. Hop. Après, il y a la carrosserie. Merci. Oh la vache, je peux encore entrer dans ça. Oh, il y a une chambre magnétique. Ouch, ouch. J'ai raté des cristaux, j'ai vu. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu. De toute façon, les monts, je les referai. En off. Pour être sûr d'avoir. Ne vous inquiétez pas. Ah.
vais tout péter, moi. Et hop, terminé. Un mouvement terminé. Ouais. Jet de téléporteur. Jet de téléporteur. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Cela fait des siècles qu'aucun Jintinda ne s'est tenu là où vous êtes, Kai. Vous êtes envoyé. Non. Je vous envoie les schémas d'un nouvel appareil qui vous permettra, qui vous aidera à évoluer dans cet endroit. Un téléporteur personnel? Et vous l'avez testé, bien sûr. Eh bien, nous avons testé les équations. Tout a l'air en ordre. Ils sont fiables. Ouais, donc c'est-à-dire si je me découpe en deux... C'est bien qu'il y ait eu un problème, quoi. Bref. On continue! Si je me dédouble, c'est normal aussi. Hop, hop. Ah, c'est bug. Utilisez téléporteur pour aller jusqu'au. Maintenez triangle enfoncé, L pour viser et triangle pour relâcher. Lorsque vous êtes prêt, appuyez deux fois sur triangle pour vous rendre au téléporteur. Wouah. Ah, excellent. Il peut rebondir. Genre si je lui fais faire un rebond comme ça, hop là. Ouais, c'est bien ça, ouais. Pim. Hop là. Ouais, ça marche. C'est ce que je voulais tester, ça marche. Ah, ça je m'en doutais. Bonne pêche. Ouais, c'est sûr. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait, mais ouais. J'ai ramassé un diamant spécial, un cristal spécial. Cristal. D'accord, je dois maintenir appuyé si je veux les passer. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai fait un peu le con là, en fait. Je voulais voir en fait comment ça marchait. Si on pouvait en laisser plein comme ça. Oui d'ailleurs, en fait on va en laisser plein. Ça c'est excellent. On a les petits trous comme ça. Comment ça a l'air de... Ce bordel quoi, on peut le balancer loin, mais on peut le balancer loin, ça fait tellement rien dire. Je crois que j'ai bien un truc. Attends, je vais passer là. Oups.
Voilà. Excusez-moi. Voilà. Là, cette fois-ci, on peut passer ici, on peut passer ici, on peut passer là. Là. Ok, là. On va y la peinture, c'est pas grave. Méchant rouge, méchant rouge. Méchant rouge, méchant orange, méchant rouge. Aïe. Hop là. Merde, ça marche pas. Mais voilà, c'est pas rebondir sur le feu au passage. Regardez en fait. Je suis en train de regarder pour voir toutes les trucs qui peuvent se passer en fait. Avec. Ce que je peux pouvoir faire en fait. Voilà. Ouah, monnaie. Fini. Et voilà. Allez, je dis pas l'or, mais ouais, un bon petit truc, ça serait bien là. Ouah, ça va. J'aurais pu faire mieux. C'est déjà très très bien. Voilà. Donc, domination. En plus, ça fait force hostile. Environnement dangereux détecté. Le lancement d'un téléporteur est conseillé. Yeah. Donc voilà, sur ce, bah, je vous fais de gros bisous à tous. C'est la fin de l'épisode. Pensez à aimer, à partager, à pouce bleuriser. Surtout pas pouce rougeriser. Non, ça c'est nul. À pouce bleuriser surtout. Pensez à aimer, partager, faites tourner, histoire que de me faire connaître, ça serait bien. Ah, si je peux changer comme ça aussi, avec le pavé tactile. Excusez-moi. J'étais en train de dire. Ah oui, pensez à me faire connaître, ça serait très, très, très gentil de votre part. Sur ce, je vous fais de gros bisous à tous, et je vous dis à la prochaine. Et attendez. Rallons ! Excusez-moi, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous à tous, et je vous dis à la prochaine. Allez, gros bisous.